Jude, je suis rentrée. Terminé les jeux vidéo. Une blague. Pourquoi il faut toujours que tu me joues des tours? Avoue que je t'ai eu cette fois. Parce qu'en plus, ça te fait rire, hein? Ok. Sauvé par ton père. Salut. Papa. Quoi de neuf, mon grand? Tu joues ton rôle d'homme de la maison, tu prends soin de ta mère? Je dirais plutôt qu'il terrifie sa vieille mère. Je lui ai fait le coup des chaussures. Les chaussures? Je vois pas de quoi tu parles, non? Tu te trompes probablement de complice, fiston. Belle équipe, vous deux. Je peux pas vous parler longtemps. Je dois emmener des clients souper ce soir. Mais avant, je tenais à parler à mes deux personnes préférées. Vous me manquez. Je vous aime énormément. Je t'aime, papa. Bonne soirée, mon grand. À plus tard. Tu sais, c'est la troisième fois cette semaine que tu rentres tard. Je sais. Une fois le projet terminé, ça n'arrivera plus, promis. À mon retour, peut-être que je trouverai un moyen de me faire pardonner. Ben, vendredi soir, j'ai réservé la gardienne. Oh, préparez-vous à vivre toute une soirée, madame. Si t'as de la chance. Bonne soirée. Bonne nuit, chérie. T'as vraiment eu peur, maman? Vraiment. La prochaine fois, fais peur à ton père. Ok. On dirait bien que Monsieur Brown a besoin d'un câlin. Maman, je suis trop vieux pour dormir avec un ours en peluche. Ben, ce sera notre secret. Bonne nuit. Bonne nuit, maman. Jude?
Si c'est encore un mauvais tour que tu me joues, ça m'amuse pas. Ok. Maman! Qu'est-ce que tu fais là? Maman, non! Je me disais qu'on pourrait jeter un œil à quelques jouets aujourd'hui. Ou peut-être qu'il y a des choses dont tu aimerais parler. Tu n'aimes pas venir ici, je me trompe. Mais tu comprends certainement pourquoi tu es là. Tu sais, Jude, si tu préfères t'en aller, tout ce que tu dois dire, c'est « je veux m'en aller maintenant ». Je veux m'en aller maintenant. 5 mois, ce n'est pas inhabituel dans les cas de mutisme sélectif. J'ai vu des enfants refuser plus longtemps de parler malgré des traumatismes bien moins sévères. Encouragez-le à communiquer, mais ne tentez pas de le forcer, il faut que ça vienne de lui. Si on force les choses, il se repliera davantage sur lui-même. Et de votre côté, ça se passe comment? De notre côté, ça va. Dans la mesure du possible. Nous préférons consacrer nos efforts au bien-être de Jude pour l'instant. Eh bien, je salue votre dévouement, mais Jude a les yeux rivés sur vous, et si vous, vous n'allez pas mieux, il n'ira pas mieux non plus. Merci. T'as encore mal à la tête? C'est pas si grave. J'ai trouvé les remarques de la médecin très intéressantes. Ouais. Je crois que Jude va un peu mieux. Non, je parlais de ses remarques à propos de nous. Moi... je vais bien, vraiment. Tu quittes jamais la maison? Tu fais tes cauchemars toutes les nuits et... je peux même pas te toucher. Je n'ai pas envie de revoir cette conversation. On n'a jamais eu cette conversation. Tu ne parles jamais de ce qui s'est passé, ni de comment tu te sens. Pourquoi on s'en irait pas? Loin de la ville, dans un coin tranquille. Tu fais déjà l'école à Jude et je peux travailler de n'importe où. Je crois que c'est notre chance de prendre un nouveau départ. Je vais y penser. Qu'est-ce qui se passe, chérie? Je peux dormir avec vous? Continuez comme ça.
m'appelle Pamela. Oh, j'ai eu peur que vous vous perdiez. Je vous fais visiter la maison. Comment s'appelle le jeune homme? Jude. Il est un peu timide. Je parie que nous serons bientôt les meilleurs amis du monde. Autrefois, c'était le pavillon des invités d'un manoir beaucoup plus grand, mais suite à la mort de ses propriétaires, un homme de la ville, désolé, a mis la main dessus. Je crois qu'il voulait la rénover, mais la tâche a dû lui paraître trop grande. Heureusement pour vous trois, ça vous fera du bien, la campagne. C'est parfait. Je vous fais faire le tour, si vous voulez. Non. On va se débrouiller pour la suite. Oh, d'accord. Merci. Prenez soin de vous. Promis. Au revoir. Alors, vous en pensez quoi? C'est magnifique. Ouais? Ça te plaît? Ouais. L'endroit te plaît à toi aussi, patron? Super. Dans ce cas-là, je vote pour qu'on aille faire un peu d'exploration. C'est pas beau tout ça? Regardez le soleil. C'était l'air. C'est le grand air. Je parie qu'on peut faire des tas de lapins, patron. Peut-être même des cerfs. Ouais. Attention de ne pas glisser. C'est quoi ça? C'est probablement le manoir. Allons voir. Regardez-moi ça. Waouh! Ça, c'est ce que j'appelle une maison. Venez. Viens, Jude. Cet endroit devait être splendide à une époque. Domaine Glenview. On va devoir faire des recherches. Il a dû s'en passer des choses dans cette vieille maison. Sean! Moi, j'emménage ici. Qu'est-ce que t'en dis, Jude? Jude? Jude! Jude? Jude! Ne t'éloigne pas comme ça, s'il te plaît. Tu peux pas t'en aller de ton côté comme ça, pas ici. C'est quoi, ça? Tu viens de trouver ça? Je peux voir? Oh, mon Dieu, il est très sale. En plus, il me donne la chair de poule. Où est-ce que tu l'as trouvé? Tu veux la porter? Ok, on va devoir le nettoyer d'abord. Super, maintenant c'est moi qui ferai des cauchemars. Je peux voir? Règle numéro 1, pas d'invité. 2, ne jamais le laisser seul. 3, repas au congélateur. 4, c'est une longue liste. Si tu pouvais parler, t'en aurais raconté. On dirait qu'il a besoin d'un ami.
On dirait qu'il a déjà été cassé. Ouais. Et qu'on a recollé ces morceaux. Maintenant, c'est l'heure d'aller dormir. Hmm? Au lit, mon grand. Et toi, t'as tout ce qu'il te faut, petit bonhomme? Ouais. Fais comme chez toi, installe-toi confortablement. Si t'as soif, il y a de la bière dans le frigo. Faudra lui trouver un petit pyjama. Tu l'as habillé toi-même? Cette musique est jolie. Est-ce que t'as faim? Ok. Je vais faire des crêpes. Si je ne veux pas être en retard au travail, je crois qu'il vaudrait mieux que je prenne la route jusqu'au bout du long couloir. J'espère vraiment qu'il n'y aura pas d'embouteillage. Tu voudrais passer dîner avec moi au bureau aujourd'hui? Est-ce que j'ai mentionné qu'il se trouvait juste au bout du couloir? Je passerai peut-être te voir. Au revoir, mon grand. Au revoir. Est-ce qu'on lui a trouvé un nom, en fait? Brahms. Waouh. Comme le compositeur. C'est tout un nom. D'où est-ce que tu sors ça, toi? Il me l'a dit. Oh, c'est son idée à lui. Je vois, oui, bien entendu. J'aurais dû y penser. Très bien. Au revoir, mes amours. Au revoir, Brahms. Par quoi t'aimerais commencer aujourd'hui? Mat ou histoire? Une promenade dans les bois. Ok. Jude! Je t'ai dit de jamais t'éloigner comme ça! Est-ce que c'est ici que tu l'as trouvé? Oh, reviens ici. C'est une propriété privée. Désolée, on habite le pavillon des invités, on faisait une promenade, je savais pas. Bien sûr que non, vous êtes la nouvelle famille. Désolé, c'est juste qu'il y a souvent des rôdeurs par ici. Je m'appelle Joseph, Joe. C'est moi qui entretiens le domaine. Moitié gardien, moitié jardinier. Lui, c'est Oz. Je m'appelle Lisa. Et lui, c'est Jude. On peut vous rendre la poupée? Voulez-vous que... Non. Gardez-la. Elle ne manquera à personne ici. Y a que moi et Oz, maintenant. À moins que tu préfères t'en débarrasser. Il ne parle pas beaucoup. Vous inquiétez pas pour ça. Je suis pas très loquace moi-même.
Les gens me trouvent fous de préférer vivre seul ici, mais je le suis moins que la plupart d'entre eux. Les vrais fous, ce sont les gens de la ville, qui vivent tous entassés comme des sardines. Merci, mais non merci. Rien ne vous obligeait à faire tout le chemin avec nous. Le plaisir est pour moi. On est voisins maintenant. Je suppose qu'on se croisera dorénavant. Salut. C'est une vieille carabine que vous avez là. Elle tire comme une neuve. J'étais inquiet. Voici Joseph. Joseph, voici mon mari, Sean. Bonjour. Salut. Joseph est... C'est moi qui m'occupe du domaine. J'éloigne les fauteurs de troubles. J'ai pris ces deux-là sur le fait. Ouais, merci de me les ramener. Ils ne vous embêteront plus. Bon, ben, je vous laisse. Dites-le-moi s'il vous manque quelque chose. Ah ouais ? Ça m'a fait plaisir. Ouais, pareillement. À bientôt, petit bonhomme. Tu recueilles déjà les chiens abandonnés, hein ? Il est à deux pas de nous. Allez, viens, Oz. On s'en va. C'est gentil, je suppose. Mais quel genre de personne enterre une poupée dans les bois? Peut-être bien que c'est un enfant qui l'a enterrée. On n'en sait rien, chérie. Ouais, mais t'étais pas là, toi. T'as pas vu une garde-robe complète dans un... genre de cercueil. Ok. Alors, qu'est-ce que tu veux faire de cette poupée? Est-ce que tu veux qu'on la lui enlève? Oui. Non. J'en sais rien. C'est juste que cette histoire est un peu... terrifiante. Je crois vraiment pas que la poupée soit le problème, en fait. Ça veut dire quoi, ça? Rien. Finissons la vaisselle, ok? J'ai du travail à faire avant de me coucher. Non, j'aimerais entendre ce que t'as à dire. C'est quoi le problème? Il m'arrive de penser que tu te sers de Jude... pour qu'on évite de parler de ce qui t'est arrivé, et je crois pas que ce soit sain, ni pour lui, ni pour toi. Tu sais quoi, j'ai failli mourir. Par pure malchance dans un cambriolage. Et maintenant, je dois apprendre à vivre avec ça pour le restant de mes jours. Oui, mais c'est fini, là. Lisa... Lisa, je suis désolé. Chut. Ils ne sont pas tous comme ça, tu sais. C'est pas vrai. Qu'est-ce qu'on fait? On ouvre la porte ou on le laisse tranquille? Non, je veux entrer. Je veux voir s'il va nous parler aussi. Ok, entre. Ouais. Tout ça, c'est à toi? Hé, hey, chérie. On passait dans le couloir et on a cru t'entendre parler. C'est Abraham ce que tu parlais? Et de quoi est-ce que vous parliez? Le chien? Oh, du chien de ce matin? Est-ce qu'il t'a fait peur? Brahms ne l'aime pas. Hein? Ça, c'est... C'est super. On va te laisser jouer avec Brahms. Bonne nuit. On pensait regarder un film, si ça peut vous intéresser. Ferme la porte. Ah ouais. Bien sûr. Oh. Oh. Je crois qu'on va devoir garder la poupée. Tu veux rire, j'adore cette affreuse poupée.
Chérie, tout va bien. Regarde-moi. C'était juste un rêve. C'était juste un rêve. Regarde-moi. Ça va. Respire. Jude, je suis désolée. Il est en moi. Est-ce que ça va? Encore un cauchemar? Où est Jude? Il dort dans sa chambre, chérie. C'est la première fois qu'il dort dans son propre lit. Allez, viens. Retourne endormir. Est-ce que tu en veux deux? Est-ce que Brahms en veut deux, lui aussi? Hé, hey, chérie, t'es levée. Je t'ai laissé faire la grasse matinée. Tu semblais en avoir besoin. Merci. J'ai cuisiné un bon petit déjeuner. Voilà, mon amour. Qu'est-ce que c'est? Oh, ça. Ouais, bah apparemment, c'est Brahms qui dicte les règles ici maintenant, incluant celle qui dit qu'on doit lui servir à manger. Une histoire tous les soirs, baiser de bonne nuit. Jude doit rester auprès de Brahms à tout moment et à jamais. Seigneur, qu'est-ce qui est arrivé à Monsieur Brahms? Jude? Mon grand? C'est toi qui as fait ça? Je t'en prie, chérie. C'est pas très gentil de jeter le blâme sur lui. Écoute, on n'est pas fâché contre toi. Mais tu sais très bien qu'on ne doit pas briser ces choses. Ni mentir. Alors je te le demande pour une dernière fois. As-tu démembré Monsieur Brahms? Comme tu veux. Dans ce cas, tu montes dans ta chambre, tu finis tes devoirs, et quand tu seras prêt à me dire ce qui s'est passé, tu pourras sortir. Et je veux que tu laisses la poupée ici. Jude, t'as entendu ta mère? Dépose la poupée. C'est peut-être une bonne chose qu'il évacue sa colère. C'est plutôt violent. Ça me fait pas du tout rire. On a dit que tu devais faire tes devoirs et ne pas sortir de ta chambre avant d'être prêt à nous faire des excuses.
Je n'ai pas quitté ma chambre. Tant pis. Dans ce cas-là, tu ne sors plus d'ici de la journée. Jude, ton père et moi, on a dit pas de poupée. Ok, je vais compter jusqu'à 3. Et si t'ouvres pas cette porte... 1, 2, 3... Mais qu'est-ce que tu fais là? Avec moi qui aimerait s'excuser. Entre. Hey. Je suis désolée pour Monsieur Brown. Je suis désolée de t'avoir fait peur. Je te remercie de t'excuser. Brahms est désolé aussi. Ok, il est temps de te préparer pour la nuit. Va brosser tes dents, mon grand. Ça va? Pas très bien. J'aurais juré avoir vu quelqu'un entrer dans sa chambre, et puis... Tu t'es trompée, chérie. Mais je comprends, ces blagues deviennent hors de contrôle. Oui, mais j'ai vraiment cru que les choses allaient s'améliorer quand on aurait quitté la ville. Et... Maintenant, je sais plus quoi faire. J'ai l'impression que vous laissez tomber Jude et toi. Non, tu laisses tomber personne. T'en fais pas, je t'en prie. Tu te sentiras mieux après une nuit de sommeil. Ouais. Bonne nuit. Bonne nuit. Que certains des comportements récents de Jude puissent être perturbants. Mais la poupée, clairement, lui procure un sentiment de sécurité qui lui permet de gérer son traumatisme. Vous entrez par contre en terrain glissant parce qu'il risque de pousser le jeu plus loin. Plus loin? Pourquoi on se débarrasse pas simplement de la poupée? Ça empirerait les choses? Vaudrait mieux vous montrer patient et lui permettre de garder son ami. D'une façon ou d'une autre, cette poupée lui procure un sentiment de calme. Et la dernière chose qu'on veut, c'est le priver de ça. Je vous enverrai des liens, vous trouverez de l'information. Ok, super. Merci, docteur. On vous rappelle bientôt. Prenez soin de vous. Allez, allez, ouais, c'est ça. Déplace-toi. Parfait. Étude de cas de traumatisme infantile, ami imaginaire, utilisation d'un jouet ou d'une poupée comme allié à la guérison.
Poupée ancienne, garçon. Comment identifier votre poupée ancienne ? Archives des poupées historiques. Le numéro de moule de votre poupée se trouve sur sa main ou son pied. Bonjour, Jude. Tu dessines quoi ? Ok. Tu lui as déjà trouvé un nom ? Qu'est-ce que c'est ? Bien entendu. Puisque c'est son nom, pas vrai ? On ne change pas de nom comme ça, hein ? Tu t'es refait une beauté, petit bonhomme. À ce que je vois, tu t'es trouvé une toute nouvelle famille. Domaine Glenview. Le développement du domaine Glenview fait face à un revers. Un jeune homme vivait à l'intérieur des murs du manoir et... T'as remarqué l'expression sur son visage ? On dirait qu'il couve un secret qu'il est le seul à connaître. T'as cette impression-là, toi ? Je peux vous aider ? Ah, bonjour. Je me demandais si vous aviez pas vu Oz, mon vieux chien. On ne l'a pas vu, non. D'accord, tant pis. Je crois savoir où il est passé, pour être franc. Alors je vous laisse. Sois sage, mon grand. Viens, il est temps de rentrer. T'as laissé Jude dehors tout seul ? Je me suis absenté une seconde. Désolée. Mon Dieu, Lisa. Mais qu'est-ce que tu fais là ? Entrez le numéro de moule, 606H. Aucun résultat trouvé. Jude ? Ne jamais quitter Brahms, pas d'invité. Jude reste avec Brahms à jamais.
toujours avec toi. Que ferons-nous si eux nous séparent? Ils ne nous sépareront pas. Et s'ils essaient, ils le regretteront. Désolée. Je savais pas que t'étais derrière moi. Pourquoi tu portes ça? On mange dans 15 minutes. L'assiette de Brahms. Oh. Non, il n'y a que nous trois qui mangeons ce soir, Jude. Non, pas ce soir. C'est vraiment si grave, Lisa. Ta mère a dit non, mon grand. Je me disais qu'on pourrait inviter Liam et la famille. Ça nous ferait du bien, un peu de compagnie. Non? Tu veux voir ton oncle Liam, ta tante Mary et tes cousins? Ce serait amusant. Il est drôle, ton oncle, non? Je crois que ça lui plairait de sortir de la ville. Les invités sont interdits. C'est la famille. C'est différent. C'est nous qui établissons les règles dans cette maison, pas ta poupée. Mange tout. Ok, maintenant, ça suffit. Non, ça va. Tu vas rester assis à table tant que t'auras pas mangé. Jude, fais ce que dit ta mère. Je t'en prie. Si toi, tu refuses de me parler, est-ce que ta poupée peut me parler à ta place? Non, parce que Brahms n'est pas une personne. Il n'est pas réel. Il n'a pas besoin de manger, toi, oui. Ta poupée ne dicte pas les règles dans cette maison. Tu le mets en colère. Tant pis, t'as qu'à passer la nuit ici. Jude! Jude! Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je t'ai dit de ne pas le mettre en colère. Écoute, je te crois, je te jure. C'est juste... Ces dessins sont tout simplement étranges. Je veux dire, c'est pas vraiment surprenant, considérant ce qu'il a traversé. Le chien, t'as vu le dessin? Le chien? Je vois pas de chien, moi. Il y avait le dessin d'un chien et plusieurs autres. Sean, il y avait un dessin de Jude debout au-dessus de nos cadavres, une arme à la main. Tu veux dire qu'il aurait arraché des pages à son cahier? Non, je sais pas du tout ce qui s'est passé. Tout ce que je sais, c'est que je veux plus cette poupée dans votre maison. Écoute, il faut que tu te calmes, réfléchis bien à ce que tu dis. Je veux plus.
J'aime pas l'effet qu'elle a sur Jude. Quoi? Je veux dire, t'as vu ça? C'est beaucoup de grabuge pour un jeune garçon, tu trouves pas? Je veux dire, cette table est loin d'être légère. Est-ce que tu crois que c'est moi qui a fait ça? Quelqu'un l'a fait, et t'es la seule personne qui était avec lui. Qu'est-ce qu'on va faire d'eux, Prince? Oz! Où est-ce que t'es, mon gros? Où est-ce que t'es, Oz? Reviens, mon chien! Ah, génial. J'en avais besoin, merci. T'es prêt? Ouais. Allons-y. Bonjour, mon grand. Non. Vous auriez dû suivre les règles. Sean! Jude! Reviens, mon grand! Ça nous fait pas rire, Jude! Je vais marcher par là. Toi, va voir par là. Ok. On fait un tour et on se retrouve à la maison. Jude! Jude? Jude! Jude? La famille Ilcher. Jude? 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 Est-ce que c'est toi? Jude, qu'est-ce que tu fais? Jude? Où est-ce que t'es? Bisous du soir.
Jude ? Jude. Je suis désolée de t'avoir fait peur. C'était juste pour jouer, maman. C'est si bon d'entendre ta... Oh, Seigneur, vous êtes là. Oh. On vous a cherché partout, vous avez pas entendu nos appels ? Non. Jude ! Mais qu'est-ce que t'es venu faire ici ? C'est dangereux ! Je suis désolée, papa. Jude ? T'as parlé ! Bon, partons, on n'est pas vraiment censé se trouver dans cette partie de la maison. Venez. C'est tellement bon d'entendre ta voix. Joseph, qu'est-ce qui s'est passé dans cette maison ? Jude, pourquoi tu vas pas montrer la salle de musique à Brahms, hein ? Ne t'éloigne pas. Il y avait une famille qui vivait ici, il y a longtemps de ça. Et leur fils a sombré dans la folie. Il a tué une petite fille, puis il a brûlé dans un incendie, ce qui l'a obligé à porter un masque. Il a vécu à l'intérieur des murs de la maison pendant 30 ans, sans jamais sortir. La Hilscher ? Ouais, les Hilscher. Et les parents se sont suicidés. Ils se sont noyés. Une histoire très triste. Et le fils ? Ben, les choses se sont compliquées après la mort des parents. Il a tué un homme, puis failli en tuer deux autres, avant d'être lui-même tué. Mais ils sont tous morts et enterrés maintenant. Quel était le nom du fils ? Dites-moi. Il s'appelait Brahms. Vous avez dit Brahms ? Désolé, j'ai pas voulu vous le cacher jusqu'ici. J'espère juste ne pas avoir à vous le dire. Merci de nous le dire maintenant. Allez, Jude, il est temps de rentrer. Joseph, vous avez retrouvé votre chien ? Je l'ai retrouvé dans les bois. Mais on l'avait malheureusement éventré. Désolé d'apprendre ça. Tes parents m'ont dit que tu t'étais finalement remis à parler. Est-ce qu'il s'agit de ton ami Brahms ? Ça semble être un garçon très gentil. De quoi est-ce que vous parlez tous les deux ? Il me dit toutes sortes de choses. Parfois, il me parle des autres familles avec lesquelles il a habité. Oh, est-ce qu'il a vécu avec plusieurs familles ? Il veut vivre avec nous maintenant. Il était très fâché que papa et maman veuillent nous séparer. Oh, et quand Bram se met en colère, est-ce qu'il dit qu'il veut faire du mal à quelqu'un ou briser des choses ? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'il aimerait dire à ton père et ta mère ? Si Jude a quelque chose à voir avec la mort du chien, ça signifie que son état est beaucoup plus sérieux que l'on croyait. La poupée lui permet peut-être de se déculpabiliser des mauvaises actions qu'il pourrait poser. Je crois que ce serait une bonne idée que je puisse discuter avec lui face à face. Est-ce que vous pourriez bientôt l'emmener à Londres ? On a de la famille qui vient aujourd'hui, mais on vous l'emmène dès que possible. Très bien, je comprends, mais d'ici là, je vous en prie, ne le lâchez pas une seconde des yeux.
monde est là. Ne vous gênez pas, faites comme chez vous. Oh, c'est vraiment fabuleux, j'adore ça. Bonjour. Tiens, tiens, c'est ici que tu te cachais. Tu te souviens de ton vieil oncle Liam, pas vrai? Salut. Quoi? C'est pas ma faute s'il est débile. Chut, chut, chut. Qui c'est ce beau petit bonhomme? Brahms. Eh ben, salut Brahms. Content de te rencontrer. Tu sais, les amis de Jude sont aussi mes amis. Ok, les enfants, pourquoi vous iriez pas jouer dehors pendant que nous, on discute entre adultes? Ouais. Il n'y a rien à faire à l'extérieur. Il y a la nature, pas vrai? C'est comme un jeu vidéo, mais en vrai. Allez, dehors, vas-y, Jude, montre-leur les alentours. Peut-être que je devrais y aller avec eux. Non, voyons, tout se passera bien. Ne vous éloignez pas trop de la maison, par contre. Ça, c'est trop cool. La ferme. J'aime ta poupée. Merci. C'est merdique ici. Il n'y a rien d'intéressant à faire. On pourrait jouer au croquet. Je veux jouer. Allez. Ne touche pas. C'est un malade mental. Je suis pas fou. Mes parents disent que tu parles à ta poupée, comme à une vraie personne. Parce que t'as perdu la tête après que ta mère ait été attaquée et... ils veulent pas qu'on en parle. Will. Mais ils savent très bien que ça va pas dans ta tête. Et moi, je sais que t'es dérangé. Et ta poupée stupide, c'est la preuve que t'es malade mental. Il va bien, Lisa. Prends un peu de vin. Ça lui fera du bien de jouer avec d'autres enfants. Ouais. Oh, désolée, c'est... Depuis ce qui s'est passé, c'est juste que... On dirait que j'arrive pas à relaxer. Eh, on est en famille, là. Il faut surtout pas que tu t'en fasses. Et Will s'assurera que tout va bien. Hé, hey, tu l'as brisé! Ta gueule, petit con. Arrête ça, Will! Ouh, tu prends la défense de ton amoureux psychopathe? Peut-être que je devrais casser ta poupée? Tu retrouverais peut-être tes esprits? Non. On arrive à la fête, on vient littéralement de passer la porte et son pantalon se déchire en plein milieu. Et pas qu'une petite déchirure, tout son entrejambe. Je vais dire ce que t'as fait à maman. Elle sera probablement heureuse. Touche pas à Brahms. Sinon quoi? Sinon tu regretteras d'avoir mis les pieds ici. Tu lui achètes des sous-vêtements colorés? Parfois. Sexy. Oh, ça fait du bien de voir ce sourire, Lisa. Ton beau grand sourire. Rends-la-moi! Non, j'en ai pas envie. Redonne-lui sa tuque. Ouh, maintenant ton petit ami est fâché. Il a plutôt me l'enlever, débile. À ta place, je m'en ferai pas trop pour cette histoire de poupée. Où il a déjà été obsédé par une couverture. Cours, débile, cours! Arrête, Will! Obsédé. Puis un jour, j'ai réalisé qu'il s'agissait simplement d'un objet sécurisant pour lui. Et je crois que cette poupée a le même effet sur ton fils. Allez, le malade! Ce que je veux dire, c'est que tu devrais pas t'en faire. Les enfants ont d'étranges comportements. Ils traversent des phases, et puis pouf, c'est passé.
tu bois pas un peu de ça, ça t'aidera à dormir. Une sieste te fera du bien. Ok. Ok. Et voilà. C'est bon. Maman. Tout va bien maintenant. Il me laissera pas partir. Il veut que j'aille vivre dans la grande maison pour toujours. Il dit qu'il va vous tuer, papa et toi, si je suis plus son ami. Il a dit ça? Quand est-ce qu'il a dit ça? Il le dit constamment. J'arrive plus à le contrôler. Il devient de plus en plus fort. Non. Personne ne va faire de mal à papa et maman. Et personne ne te fera de mal non plus. Ok. Docteur Lawrence n'est pas disponible. Nouveau message. Docteur, appelez-moi, s'il vous plaît. C'est urgent. Salut Lisa, c'est moi. On vient juste de voir le médecin. Je crois que Will va s'en remettre. Donc, je te rappelle de la voiture, ok? Je t'aime. Bye. Numéro de moule H909. Un bel exemple de savoir-faire victorien. Propriétaire précédent, James Hilshire. Vous n'êtes pas vraiment d'ici, vous? J'habite le domaine Glenview. Glenview? Oh, Shelley Hilshire, vous voulez dire? Seigneur, on ne pourrait pas me payer assez cher pour habiter là. Pardon? Vous savez pas? Tragédie au manoir Hilshire. Une famille complète a perdu la tête là-bas. On a même découvert que le fils a vécu à l'intérieur des murs du manoir pendant des années. Le garçon se comportait bizarrement. Il se plaignait d'entendre des voix. Mais c'était pas la première fois qu'il se passait des choses à cet endroit. Une autre tragédie s'était produite avant. Durant les années 50, un garçon a tué sa propre mère et son frère, convaincu qu'une poupée s'adressait à lui. Une voix lui a dit de le faire. Le jeune pianiste prometteur a juré que c'était la faute de la poupée. Et le pire, c'est que ça continue. L'an dernier, un homme qui arrivait de la ville a racheté la maison avant de péter un plomb et de disparaître. On n'a plus jamais entendu parler de lui. J'avais croisé dans le pub une fois Joe le Barjot. Il s'appelle Joe? Ouais, c'est comme ça que les gens l'appelaient. Je crois que son nom c'était Joseph, quelque chose. Le fils tue toute sa famille. Le fils tue toute sa famille. Il poignarde sa mère, son père et sa sœur. Meurtre effroyable d'une famille aisée, inséparable de sa poupée. La poupée m'a poussée à le faire. Oh mon Dieu! Jude! 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 Je voulais pas qu'on en vienne là.
Joseph, est-ce que Jude va bien? Vous inquiétez pas. Il est en sécurité. Probablement plus qu'il ne l'a jamais été de sa vie. Pourquoi vous êtes là? Je suis venu parce qu'il voulait que je vienne. Jude? Brahms. Il ne voulait pas en venir là, mais vous ne lui avez pas donné le choix. Je veux seulement savoir où est mon fils. Je ferai tout ce que vous voudrez, mais rendez-moi mon fils! Je veux que vous écoutiez! Il veut que vous écoutiez! Vous m'avez demandé pourquoi j'étais là. Je suis là pour la même raison que vous. Il m'a appelé. Il appelle à lui ceux qui ont besoin de son aide. Les gens qu'on a blessés. Il voit ce qu'on cache en dedans. C'était comme un chuchotement. Au début, quand je suis arrivé ici, presque rien. Il était en morceaux quand je l'ai trouvé. Brisé. Et là, la voix m'a dit que je devais le réparer. Alors, je l'ai fait. Et là, je l'ai entendu beaucoup plus fort. Vous l'avez sûrement entendu. Jude, certainement. Oh oui. Je sais pas ce que Brahms vous a fait, mais vous pouvez résister à son pouvoir. Il est trop tard. Brahms et Jude ne feront plus qu'un, et ce sera magnifique. Vous voyez, tout le monde croyait que j'étais cinglé. J'ai aussi cru que les Hilscher étaient cinglés, mais non, oh non. Tout ce temps-là, c'était la poupée. Et même avec la maison, avant, les Davy et les autres avant eux, j'ai trouvé toutes leurs vieilles lettres. Ils savaient que vous alliez venir. Ils savaient que votre fils le trouverait. C'est pour ça qu'il m'a dit de l'enterrer. Les enfants sont curieux, pas vrai? On dirait qu'ils sont attirés par le danger. Comme les papillons par les flammes. Joseph, où est mon fils? Je voudrais voir mon fils! Il est dans la maison principale. Jude. Jude. Je sais que tu ne veux faire de mal à personne. Tu n'es pas toi-même, Jude. Je t'en prie, pousse-le par terre. Tout va s'arranger.
peux prendre Brahms. J'avais l'habitude de te prendre comme ça. Je vais le déposer maintenant. Salut, maman. Jude, pose la carabine. Nous sommes très en colère. Papa et toi, vous êtes mis en travers de notre chemin. Nous allons vivre ensemble ici, maintenant. Parce que vous n'avez pas su nous protéger. Vous protéger de qui? De ce chien. De Will. De ces hommes qui sont entrés chez nous. T'as raison. On a besoin de Brahms pour nous protéger. Il est trop tard. Vous ne nous avez pas laissé le choix. Adieu, maman. Je sais que Brahms te met ces mots-là dans la bouche. C'est pour ça qu'on doit le ramener à la maison avec nous. Brahms doit devenir un membre à part entière de notre famille. Et quelle famille n'a pas besoin d'une mère ? Maman ? Jude ! Qu'est-ce qui vous a pris ? Qu'est-ce que vous avez fait ? Reculez ! C'est moi qui punira ! C'est moi qui ne l'ai pas protégé ! Non, non, Joseph. Brahms ne peut plus vous faire de mal. Vous ne comprenez pas. Ce ne sera jamais terminé. S'arranger, Brahms. Tu m'as manqué aussi. C'est vrai? Juste au bon moment. Salut. T'as passé une belle journée? Ah,
bonne. Je crois qu'on va peut-être signer cet auteur dont je te parlais l'autre jour. Ouais, génial. Bonne nouvelle. Ça sent très bon. Merci, mais dépêche-toi de goûter, parce que je suis à peu près certain qu'il s'agit du meilleur coq au vin jamais cuisiné par un Anglais. C'est même pas une blague. Il y a toute une bouteille de vin là-dedans. Je sais pas si je devrais. Non, ça va, je vais t'en servir quand même. Merci. Voilà. Ça a l'air vraiment bon. Merci. Ça m'a seulement pris 2 ou 3 heures à préparer. Bon appétit. Bonne nuit, mon gras. Faites beaux rêves. Je t'aime, chérie. Je t'aime aussi. Bonne nuit. Bonne nuit, Brahms. Je crois qu'on sera heureux ici. S'ils apprennent les règles.